Et bonjour à tous, c'est Nicole Ch'ti avec Jane Shepard sur Mass Effect 3. Et on reprend là où on s'était laissé la dernière fois, après la citadelle. Mais je suis allé dans le Normandie. Je voudrais aussi dire désolé pour les deux épisodes d'avant où j'avais un problème de réglage micro. Mais là, c'est réglé. Et donc, avant d'aller faire ce que j'ai envie de faire, j'avais parlé des abysses gris. Cheyenne, un truc comme ça. Et je suis vraiment dans on va prendre le relais, je vais vous faire voir. Hop, là où il y a une petite quête, les abysses Grictek, bref, vous le prononcez comme vous voulez. Et donc quand on scanne, donc là il y a un moissonneur. Signal confirmé. Quand on scanne, vous voyez qu'il y a la barre des moissonneurs qui augmente, et une fois qu'elle est pleine, il vous pourchasse. Mais là j'ai scanné quelque chose, et Zadaban, ça c'est le dieu Volus du châtiment. Donc eux ils croient en plusieurs dieux apparemment. Je vous laisse lire, vous mettrez sur pause. Ah, il n'y a que 22 000 habitants, d'accord, ok. Et on peut enclencher le scanner. Et quand on enclenche le scanner, hop, on peut diriger un truc. On lance le scanner, enfin la sonde. Et voilà, j'ai juste des crédits à récupérer. C'est pas plus mal, hop, on va fermer ça. Et vous voyez que j'ai, je suis à 50%. C'est-à-dire qu'il y a encore autre chose quelque part. Alors là, on va profiter pour scanner et voir ce qu'il y a. Hop, ici. Inspecter. Ils sont vraiment sur moi. Ouais, game over. C'est ce que je pensais. J'ai pas été assez rapide. Donc normalement, je suis obligé de rescanner le truc. Confirmé. Parce que ça va pas sauvegarder. On va rentrer dans l'orbite, on va juste rescanner un coup. Alors, j'avais 10 000 crédits et là, j'ai de nouveau. Bon, je pensais la même chose, déjà c'est au même endroit. Hop là, 10 000 crédits, c'est pas plus mal. Et le deuxième, il est par là. Hop, on va inspecter. On a des débris, une épave. Et donc on a récupéré du carburant et donc on est à 100%. Des ressources récupérées, donc on a fini à 100% ce système, et là on va aller sur Urlarast. Alors avant qu'on était sur Xesha, hop, un peu trop stop, hop là de nouveau pareil, il y a toujours les moissonneurs. Ok, il est là. On va inspecter. Les ruines à dépôt. Encore du carburant. Hop. Esquive réussie. On a réussi l'esquive. Alors là, je vais en profiter pour scanner et pour chercher celui qui me manque. Moissonneur évité. De nouveau. Réussi. Donc là j'ai pas été scanné par là. Ok, c'est la petite planète. On a la petite planète. Hop, on va être tout de suite sur la planète en passant carrément dans le soleil. Hop, on rentre dans l'orbite. Et on arrive sur Tadis Phia. Donc c'est aussi une planète Volus. Ok, oh, il y a 3 milliards d'habitants. Et là, le scanner. Par contre, c'est vachement très peu sensible à la souris. Et là, normalement, c'est là qu'on a notre petite quête. Voilà, l'obélisque protéin. C'était vraiment une quête. Bon, je suis mort, c'est pas grave. C'était vraiment la quête qu'il nous fallait. Donc, de nouveau, on est de nouveau là. J'ai trouvé tout de suite chose. Rescanner. On lance le scanner. Hop. Comme je disais, c'est vraiment très lent à la souris, c'est très peu sensible.
Hop, on va récupérer l'obélisque protéenne et quand je retournerai à la citadelle, bah j'aurai de nouveau, je pourrai parler au gars. Il reste encore une ressource qui est là-bas. On va inspecter. Ah bah oui, c'est les carburants. Et hop, on quitte tout ça, on échappe au moissonneur. On va retourner au relais cosmodésique et on va aller faire une petite quête secondaire. Hop, relais cosmodésique. Alors, c'est ce que je voulais faire. Pas le laboratoire de Cerberus. Ah, c'était quoi ça? Voilà, sauver les étudiants. Direction la nébuleuse de Petra, dans le système Vétus. Donc là, on a l'académie. Donc là, on est tranquille. On n'a pas les moissonneurs, mais on peut bien essayer de voir s'il y a un truc à explorer ou pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a fait le tour. Non, il n'y a rien, on est bien d'accord. Hein. Je scanne vraiment au centre. Non, il n'y a rien. Hop, on va sauver. On va à l'académie Grissom et on va sauver les étudiants. Et donc, la mission officielle de l'académie John Grissom, accréditée en 2176, est de servir une population étudiante faisant preuve d'excellence et de passion pour les mathématiques, les sciences et les arts. D'accord, donc là, c'est vraiment une académie où il y a des biotiques. Hop, on va atterrir. Il me semble que c'est ça. Et on va... Le commando, comme d'habitude. Garus et Javik. Il n'y a pas moyen. Surtout Javik. Franchement, si vous avez Javik, achetez Javik. Prenez Javik. Donc j'ai mes deux armes. Le Vindicator et le Piranha. Le Piranha. Oui, j'ai acheté au niveau 5. Comme ça, je t'apprends un peu plus fort. Et j'ai amélioré. Aussi, j'ai mis des composants qui améliorent les dégâts des armes. Il me reste 2 points. On va voir Garus 2 points et 4 points. Bon, on va attendre qu'on ait plus de points pour développer tout ça. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit. Je détecte une transmission entrante. Voyons voir. SSV Normandie, ici Kelly Sanders, directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives ? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Vous pouvez faire diversion, Joker ? Oh, sûr, je peux. Et vous avez remarqué aussi que j'ai changé l'armure de Shepard. J'ai mis aux couleurs que j'avais envie de mettre. Y a pas à dire, c'est trop classe. Maintenez la navette en position, on revient. Y a trop la classe Garus aussi. Ok. Journal de bord. Commandant, je suis bloqué dans une salle de serveur, à l'angle. Les troupes de Cerberus essaient d'entrer. Préparez-vous. Double combo. Ah, et encore. Il est moerté. Alors, examiner. Sanders, c'est bon.
C'est moi. Ok, il fallait aller là. Il fallait aller là. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes la meilleure. Et avec Cerberus qui approche, il me faut la meilleure. Ah, ça fait 3 jeux que vous je suis la meilleure. Combien au total ? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson. Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà, quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis partie. Je ne savais pas. On est presque coupé de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Je lui dirai. On a besoin de toute l'aide possible. J'aurais préféré qu'elle vienne d'ailleurs. Mais vous avez raison. L'Alliance a besoin d'aide. Heureusement, certains aînés se sont portés volontaires. Attendez. J'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg. Des cadets sont coincés dans le hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le hall d'Orion ? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici, et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Alors, ce que j'ai toujours apprécié chez Mass Effect, même le, même vraiment, même plus le 3, c'est que même la plus petite des quêtes secondaires, elle est vraiment scénarisée, il y a des lignes de dialogue. C'est vraiment excellent. Je peux pas tirer à travers. Bon, bah, il l'emmène. Ou je ne sais pas. Là, je peux. Alors là, on a hop, amélioration de fusil d'assaut. Ça, ça se prend. Là, j'entends Cerberus au loin. Je vais voir s'il y a quelque chose à prendre avant de tirer. Ah, on voit un biotique. Alors, je vais faire ça. Et ça, c'est bon. Allez, Riley, Bellarmine. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Attendez un peu et retrouvez Callie Sanders au poste de sécurité. Mais ma sœur Sean est quelque part par là. On va la sauver, ta sœur. Là, on voit que c'était piraté par Cerberus. Ah, ici, il y a hop, une nouvelle amélioration d'armes. Message, des faux messages. Alors, est-ce que... Oh, elle a été abattue dans le dos. Hop là, les deux en même temps. Et Javis qui finit le taf. Oh bah bien joué Garus. J'en ai encore vu un. Oh, derrière, il y en a un là aussi. Toi t'es mort. Ça c'est un fail hein, gros. T'es mort. Ok bon on avance, on a... Il m'a fait peur ce con. N'approchez pas. Elle est blessée. Ah, la sœur. Faire vite pour la sauver, mais cela nous retardera. Vous m'entendez? Vous s'est vite relevée. Votre frère est avec Callie Sanders au poste de sécurité. Vous pouvez les rejoindre. Oui.
Alors on l'a sauvé, ça nous fait de la réputation. Hop, on ramasse ce qu'il y a dans les casiers, on vole les étudiants. Ah, le Matok. Modifier l'arsenal là. C'est normalement un fusil d'assaut. Non, c'est celui-là que j'aime bien. Je vais le tester, le Matok. Hop, retour, confirmé. Je crois que c'est celui-là que j'aime bien. Ouais, c'est un coup par coup vraiment puissant. Je suis les secours. Là, y a rien. Mangez ça. Jack? Shepard? Oui, oui, c'est bien Jack. Vous ne pouvez rien faire. Shepard, éloignez ça. Les cadets restent des civils. Il faut leur donner un coup de main. J'aime vraiment ce fusil. C'est celui-là que j'aime bien. Alors. Alors je vais essayer de faire le tour, parce que c'est... Aïe, c'est derrière qu'il y a son... Nickel. Ah nickel, parce que c'est... Quand je recharge, le truc est juste là. Ah, c'est Garrus, pardon, Garrus. Est-ce qu'il y en a encore? Ouais, ça tire, donc il y en a là-haut. Boum! Viseur automatique. Je préfère nettement ces fusils au coup par coup. Kali a dit qu'elle envoyait un SOS. Je ne savais pas que les scouts débarquaient avec leur cheftaine. On vérifie les amplis. Pranglais, tes champs étaient faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues. Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Combien de fois je vous ai dit de ne pas faire confiance à Cerberus? Vous étiez foutu, Jack. Je viens de vous sauver les miches. Vous voulez une médaille? Non. J'aimerais que vous la fermiez, qu'on puisse y aller. Toujours aussi charmante. C'est bon de vous revoir, Garrus. Toujours aussi moche. Ok, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de sortir mes gars d'ici. Vos gars? J'ai l'impression. Mais comment vous vous êtes retrouvée instructrice? Vous dites ça comme si j'allais les faire exploser ou je ne sais quoi. L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment, les élèves apprécient ma pédagogie. La biotique psychotique. Je vais vous détruire. Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. C'est du Jack tout craché. À l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps? 2 minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez au Normandie. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Compris. Je connais peut-être une autre issue, mais j'aurai besoin d'accéder à toutes les caméras. Vous pouvez annuler le piratage mis en place par Cerberus? Ça passe par le hall d'Orion. C'est tout prêt. Alors, Jack... Hey, prévenez-moi quand vous aurez trouvé une issue. Alors, on va enquêter un petit peu. Comment les étudiants gèrent la guerre? À votre avis? C'est pas comme si que ça, Cerberus arrivait dans 2 minutes. Il y a quelques mois,
leur centre d'intérêt principal, c'était le sexe. Ils sont pas prêts pour la guerre ? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce baratin sur les bombardements biotiques ? Parfait en théorie. Peut-être que tout ira mieux quand ils auront tâté du terrain. Mais ? Il conviendrait mieux en soutien. Mettez-les derrière, qu'ils projettent des barrières, des trucs comme ça. Vous leur avez dit ? Non, ils ont besoin qu'on croie en eux. J'ai appris 2-3 trucs en écoutant vos foutus discours. Bah, c'est bien. Vous êtes vraiment superbe. J'ai l'impression que votre caractère déteint sur moi. Je n'ai jamais eu de famille. Et eux... Le premier qui touche à mes élèves, je le massacre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces cadets ? Au niveau biotique, je veux dire. Qu'est-ce qui est plus flippant qu'un agresseur biotique énervé ? Une bande de biotiques qui coopèrent. C'est comme un bombardement biotique. Le premier crétin qui se met en travers, on le taille en pièces. C'est pas le genre de truc que vous vouliez détruire sur Pragya ? Vous savez très bien que non. Cerberus torturait des gamins sur Pragya. Ceux-là sont plus vieux et volontaires, et les seuls qui ressentent la douleur, ce sont les méchants. Alors, Pragya, c'était la mission de loyauté de Jack sur Mass Effect 2, qu'on a fait avec succès. Hop. Suivez-nous, on va vous sortir d'ici. Bien. Alors, hop. Et les caméras vont nous aider à nous tirer d'ici ? Il faut atteindre les navettes de Cerberus. Leur croiseur ne les prendra pas automatiquement pour cible. On a donc une chance de s'en tirer. Registre de données. Pranglais, d'accord. Ok, je vous laisse lire. Réactivez les caméras. Sanders, normalement vous avez l'accès. Ok. Le chemin le plus rapide, c'est par l'atrium. Mais les portes sont verrouillées. Il faut désactiver les verrous magnétiques. Les commandes doivent se trouver au-dessus de la porte. Alors, faut trouver les piratages manuels. Donc on va aller là-bas. On va ramasser les munitions en même temps. Puis on va fouiller un petit peu en même temps. Hop. Un mode. Un autre registre. Ah non, c'est du... c'est un PayPal. À pirater. Donc là, il n'y a rien, j'ai vu. Voilà, ça c'est le piratage manuel. Donc on l'a. Et donc là, il n'y a rien, mais j'ai vu qu'on pouvait discuter avec elle, avec Rodriguez. Je n'arrive pas à croire que vous ayez travaillé avec notre prof. Avec vous deux, on a peut-être une chance. C'est pas moi qui ai travaillé avec Jack, c'est Jack qui a travaillé pour moi, je précise. Allez, piratons. Ok. Vous devriez pouvoir forcer la porte maintenant. Je vous précède aux navettes et j'en prépare deux au départ. Alors, on va redescendre. Normalement, la porte là, elle s'est ouverte, c'est ça. Elle est trop forte, Shepard. Il y a deux hommes derrière, Tenez mais c'est Shepard. On y va en premier pour faire diversion. On vous couvre. On va arroser ces... s'enfoirés depuis le second niveau. Bonne tactique. Ils éviteront les tirs directs. Allez, les gars. Balancez-leur tout ce que vous pouvez. Vous voulez vous débrouiller ? Montrer ce que vous savez faire ? C'est le moment. Avis aux étudiants de l'académie. Les issues sont bloquées. Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous. Tout ce que vous gagnerez, c'est de vous faire tuer. Rendez-vous et vous serez épargnés. Connard. Bordel, il contacte tout le monde. Étudiants, passez votre Omnitech en mode privé pour ne pas être localisé. Et s'il disait la vérité ? J'ai vu ce que Cerberus faisait à ceux qu'on avait promis d'épargner. Regardez bien ces cicatrices, Rodriguez. Cerberus m'a fait ça quand je n'avais pas la moitié de votre âge. Ah, la reddition, c'est la mort assurée. On essaie de sauver votre peau, là. Rodriguez. Ouais. Ouais, d'accord. On y va.